Samori, Alpha Yaya et Dina Salifou, symboles de la résistance africaine en Guinée. Samori Touré, pendant 17 années, il a incarné les vertus et les qualités patriotiques des peuples africains. Le héros du Soudan tint en échec les troupes françaises sur les deux rives du Niger, le long des frontières de la Sierra Leone, en Haute-Côte d'Ivoire et près du Libéria. Capturé à Guélémou le 29 septembre 1898, Samori fut transféré au Gabon dans l'île de Djolé, où il mourut le 2 juin 1900. Foulamori, la résidence préférée d'Alpha Yaya Diallo, roi du Labé. Tout évoque encore son nom. Sa fille Maïmouna habite la case de son vénéré père. La petite marmite qu'utilisait Alpha Molabé pour ses ablutions, sa tabala, ses étriers. Alpha Yaya, deux fois déporté, envoyé à la guillotine sèche, là-bas à Port-Étienne, où il mourut en 1912. Avec l'exil et la disparition de Samori et d'Alpha Yaya, la nuit envahit le continent africain. Lourde et longue nuit coloniale. L'Afrique est dominée. Voici venu le temps du mépris, le temps de l'humiliation. Travaux forcés, autant dire esclavage. Jadis, 200 millions d'Africains vendus sur les marchés d'esclaves. Mais aujourd'hui, l'Afrique est occupée. Elle est partagée entre les principales puissances européennes. Le capitalisme à son apogée a besoin de nouveaux marchés, de nouvelles sources de matières premières. Il s'est tourné vers l'Afrique qui l'a subjugué. L'homme d'Afrique est devenu un esclave, un être détesté, méprisé, discriminé, qui n'aurait, au dire des maîtres d'alors, ni culture ni civilisation. Bafoué dans sa dignité et dans sa personnalité, sans liberté et sans responsabilité, l'homme d'Afrique devient étranger dans son propre pays. Ghana, Mali, Gao, Trekrour, Massina. Souvenir du paradis perdu. Nostalgie des cités antiques qui peuplent la mémoire de toute une génération. La conscience de l'oppression rend l'oppression plus oppressive et finalement insupportable. Le 14 mai 1947, le Parti démocratique de Guinée est constitué. À sa tête, Sékou Touré parcourt le pays et mobilise les masses populaires dans la lutte anticolonialiste. Lutte contre la discrimination raciale, contre les bas salaires, contre les iniquités les plus criardes du système colonial. Meetings et grèves se succèdent. En 1957, 10 ans après la constitution du PDG, le premier gouvernement semi-autonomique de Guinée est formé. Une année plus tard, à la faveur de la grande guerre de libération menée par le peuple algérien, les contradictions internes du capitalisme français portèrent au pouvoir le général de Gaulle. 13 mai 1958, après les barricades d'Alger et le putsch des Français d'Algérie, de Gaulle vint et proposa au peuple d'Afrique un référendum solennel au cours duquel il se prononcerait sur leur avenir. Durant le périple qui le conduisit en Afrique équatoriale et dans certains états de l'Ouest africain, de Gaulle arriva à Conakry. Sili Sotaï, Sili Sotaï, l'éléphant est entré dans la ville. L'éléphant, symbole du Parti démocratique de Guinée. Courage, puissance et patience.
cœur historique et solennel. Nous avons quant à nous un premier et indispensable besoin, celui de notre dignité. Or, il n'y a pas de dignité sans liberté. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. On a parlé de l'indépendance. Je dis ici plus haut encore qu'ailleurs que l'indépendance est à la disposition de la Guinée. Elle peut la prendre le 28 septembre. En disant non à la proposition qui lui est faite. Le 14 septembre 1958, le Parti démocratique de Guinée convoqua à Conakry une conférence des cadres destinée à relever le défi historique lancé à la scission et prise africain. Elle est cette décision conforme au sens de l'honneur et de la dignité. Le 29 septembre 1898, c'était à Guélémou. Samori était arrêté et déporté au Gabon sur la lagune de Logoué. Le 29 septembre 1958, 60 ans après, jour pour jour, le retour vengeur de l'histoire. Nous avons rangé Alpha Yaya, Dina Salifou, Mbalia Kamara, Oumar Dramé, Barry Gassimou aussi. Le 29 septembre 1958, quand le Guinéen se réveille, il renaît à la dignité et à la liberté. Le 12 octobre, la République est proclamée. Amen.